Pour s'inscrire, allez dans l'onglet « Inscription », puis remplissez ce court formulaire. Ensuite, il faut créer son club. Allez dans l'espace « Mes clubs », puis « Créer » ou « Rejoignez un club » s'il existe déjà sur la plateforme. S'il n'existe pas, remplissez ce formulaire afin de mieux connaître votre centre équestre. Pour créer sa compétition, allez dans l'onglet « Organiser ou participer ». Choisissez « Discipline »,« Dimension de carrière » et la date de votre concours. Vous sera proposé toutes les compétitions correspondant à votre sélection. Vous pouvez ensuite régler les frais d'organisation pour valider sa création. Une fois votre concours placé, vous pouvez les trouver dans l'onglet « Organisation ». Si vous avez réservé votre place dans la Riding Cup, toutes les organisations sont dans l'onglet « Sans date ». Sinon, vous pouvez trouver vos compétitions dans l'onglet « En cours et à venir ». Sur cette interface, vous pouvez modifier la date d'organisation de chaque compétition. Pour paramétrer votre concours, cliquez sur « Gérer l'organisation ». Dans ce premier onglet, vous pouvez ajouter les épreuves. Sur cette interface, vous pouvez ouvrir votre concours aux engagements extérieurs, limiter la date d'engagement ainsi que le nombre d'engagements. Vous pourrez également faire vos horaires en ajoutant des reconnaissances et en assignant un horaire à chaque épreuve, pour ensuite télécharger le listing des concurrents. Pour engager vos cavaliers, allez dans l'onglet « Engagement ». Vous pouvez voir toutes les épreuves ajoutées précédemment. Vous pouvez ajouter autant de couples que vous voulez. Si vous n'avez pas ajouté vos cavaliers au préalable, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un membre au club ». Vous pouvez donc maintenant passer tous vos engagements. Sachez que vous pouvez engager jusqu'au jour J de votre compétition. S'il vous manque des participants ou si des cavaliers vous préviennent au dernier moment, vous pourrez les rattraper sans problème. Après avoir saisi vos engagements et après votre compétition, vous pourrez saisir vos résultats. Vous devez rentrer, dans le cadre du saut d'obstacle, les points, le temps et le statut de chaque cavalier. Vous pouvez également joindre la vidéo associée à chaque performance.